Mais c'est sûr que à l'époque, c'était difficile quand t'étais une fille de faire autre chose que des tutos beauté. Marie Lopez, plus connue sous le nom de Enjoy Phoenix, fait ses premiers pas sur la plateforme à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, âgée de 28 ans, elle peut se targuer de rassembler une impressionnante communauté de plus de 5 millions d'abonnés à travers ses deux chaînes YouTube principales, totalisant près d'un milliard de vues au compteur. C'est une prouesse car Marie a réussi à se faire connaître et à inaugurer sa chaîne YouTube à une époque où la présence des femmes était quasi inexistante sur YouTube. Les travaux de recherche de Lindsay Votanis et Laurie Macmillan, doctorantes en sciences du langage, ont mis en lumière une prédominance indiscutable de la présence masculine ainsi que de la visibilité qui en découle sur la plateforme. En gros, il est totalement avantageux d'être un homme quand tu fais du contenu sur internet. À titre illustratif, en 2013, seulement 6 des 100 chaînes les plus populaires étaient détenues par des femmes. Ainsi, pendant les premières années de la plateforme, on retrouvait une division entre les hommes et les femmes. D'un côté, on avait donc les hommes qui avaient le monopole un petit peu de faire ce qu'ils voulaient, notamment la vulgarisation, l'humour et les jeux vidéo. De l'autre côté, les femmes étaient pour ainsi dire confinées au rôle de la youtubeuse beauté. Leur contenu se résumait à des vidéos parlant de beauté, de mode et de soins, notamment à travers des tutoriels, des revues et des hauls. Et parmi les pionnières de cette première vague figuraient notamment Julie Love Max, Sananas, Crystal Makeup, Elsa Makeup et Enjoy Phoenix. Et seulement deux autres femmes sur la plateforme osaient faire de l'humour, Natou et Indie Raconte. Cependant, à cette période, YouTube ne constituait pas encore la manne financière qu'il est aujourd'hui. Il ne permettait pas à ses créateurs et créatrices de contenu de générer autant de bénéfices. Aujourd'hui, être influenceur-influenceuse, c'est un métier, du coup régulé par des nouvelles lois. Et la question, c'est de savoir est-ce que ça a permis aux femmes de réellement s'émanciper. Bonjour, enchantée, c'est Léa Chou et bienvenue sur ma chaîne Et si c'était faux, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 qui analyse les tensions autour du métier de l'influence. J'ai fait une première vidéo que je vous mettrai ici qui peut être importante à regarder pour commencer puisque je vous explique pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser le terme d'influenceuse pour désigner les femmes qui publient du lifestyle sur la plateforme. Et cette vidéo voit le jour grâce à une collaboration très connue dans le monde de l'influence. Puisqu'aujourd'hui on va parler NordVPN et permettez-moi de vous présenter Alice. Alice est une jeune femme qui traverse une période difficile dans sa vie. Elle jongle entre ses cours, son travail et son mec qui ne range jamais la maison. Alice se sent étouffée par la routine et la pression quotidienne. Au téléphone, c'est Max, son meilleur ami d'enfance. Max a eu le numéro par sa mère. Elle se sent en sécurité pour lui confier ses problèmes. Je ne peux pas t'aider avec tous tes problèmes, mais l'une des solutions, c'est de télécharger NordVPN. Et oui, grâce à NordVPN, Alice peut se localiser ailleurs et dans d'autres pays, ce qui lui donne accès aux travaux de chercheurs et de chercheuses bloqués dans son pays. En plus, NordVPN bloque les sites web contenant des logiciels malveillants. Et grâce à ça, Alice obtient son année avec mention. Et avec NordVPN, Alice peut aussi faire croire à sa plateforme de streaming favorite qu'elle vit toujours chez ses parents. Mais surtout, NordVPN protège ses données et son anonymat, ainsi que ses codes de carte bleue quand elle commande en ligne. Faites comme Alice! Et en plus, grâce à mon lien en barre de description, vous avez une offre spéciale. Oui, bon, NordVPN ne réglera pas vos problèmes de couple, mais pensez à la thérapie de couple ou à simplement trouver quelqu'un qui vous aide au quotidien, comme le fait NordVPN. La littérature visant à comprendre la motivation entrepreneuriale met en avant une approche push and pull. Un individu va se tourner vers l'entrepreneuriat si cette option lui permet un meilleur rendement économique, soit dans le cas d'un manque d'emploi, soit parce qu'il espère gagner davantage. Sauf que le parcours pour devenir influenceuse n'est en aucun cas linéaire et ne correspond pas forcément à ce qu'on pense, on entend, de l'entrepreneuriat. Et du coup, pour faire ma catégorisation, je me suis aidée de recherches plus récentes sur la motivation entrepreneuriale féminine. Beaucoup disent s'y tourner comme ça, d'autres pour se faire des amis, comme l'a dit Marie, et d'autres s'en servent comme des tremplins pour des rêves d'enfants, par exemple écrire un livre, faire de la télévision, devenir actrice ou encore travailler dans la mode et le luxe. Moi, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les influenceuses qui produisent du contenu vlog et de ça émanent globalement 4 catégories. La première, c'est celles qui tombent dedans sans avoir aucune expérience du monde du travail et qui ne savent absolument pas ce que c'est de gérer ou de créer une entreprise.
Ce choix s'opère généralement pendant la jeunesse, par exemple Anna Herbert, Clara Marx ou Paola. La catégorie numéro 2, c'est les personnes issues de formations, notamment l'audiovisuel, le marketing et les écoles de commerce, qui planifient plus ou moins, dès la fin de leurs études, une incursion sur les réseaux sociaux, le but étant d'exercer leur passion dans des conditions plutôt favorables. Parce qu'on sait que le monde dans le domaine de la pub, de la communication et du marketing, c'est pas toujours ultra fun, et d'autant plus quand t'es une femme. On a comme exemple Léna Adorable, Gulia, Léna Situation ou encore Sleeping Beauty. En troisième catégorie, on a les mumpreneurs. Je sais pas pourquoi elles s'appellent pas les mumpreneuses, mais ça c'est un autre débat. Qui, quant à elles, prennent la décision de quitter le monde du travail salarié afin de se consacrer à l'éducation de leurs enfants tout en aspirant à générer des revenus complémentaires. Elles s'engagent alors dans l'univers des réseaux sociaux en tant qu'entrepreneuses mères, mompreneur, capitalisant sur leur travail en tant que mère pour bâtir leur présence en ligne. En exemple, on a Mila Babychou ou encore Journal d'une maman. En quatrième catégorie, c'est une catégorie qui émerge de plus en plus, c'est celle des candidates de télé-réalité qui décident de se lancer sur YouTube pour continuer de développer leur présence en ligne. Et malgré les accusations fréquentes envers ces femmes, selon lesquelles elles seraient là que pour l'argent et par intérêt, la réalité révèle que les motivations premières sont la passion, le désir de reconnaissance et le besoin de liberté. Et bien que ces femmes présentent des différences notables en termes d'origine, d'aspiration, de culture, de milieu social, elles partagent néanmoins une caractéristique commune, elles sont leurs propres patronnes et se voient valorisées en tant que femmes dans leur travail. Face à l'ennui inhérent du travail traditionnel et la quête d'une identité personnelle, l'influence semble être un refuge. Ces influenceuses jonglent au quotidien avec de multitâches, comprenant donc la gestion de mails, le traitement des questions administratives, et il y en a énormément, genre tout ce qui est gestion d'entreprise, le marketing, la communication, l'enregistrement des vidéos, le montage, les scripts, ainsi que l'élaboration d'idées novatrices. En somme, elle dirige une entreprise à part entière, avec toutes les casquettes de la chef d'entreprise, avec la particularité que certaines actions peuvent être faites devant la télévision. Ainsi, grâce à leur statut d'influenceuse et leur notoriété, ces femmes ont la capacité d'entreprendre diverses initiatives, que ce soit dans le domaine de l'écriture, du podcast, de la télévision et bien d'autres. Ainsi, elles peuvent occuper le devant de la scène sans nécessiter la hiérarchie et la présence d'un homme dans leur vie. Mais leur génie ne se réduit pas qu'à ça. Le concept de travail, tel que défini par les féministes matérialistes, met en lumière la tendance à rendre invisible le travail accompli par les femmes. Il en résulte que les femmes exécutent un travail considérable de tâches, pourtant une grande partie de ces tâches sont dissimulées. Dans le format vlog, trois formes de travail invisibles rendues visibles nous intéressent. Le premier, c'est le travail domestique, souvent qualifié et identifié par le biais de l'approche de la tierce personne. Il englobe les activités telles que faire le ménage, préparer à manger, s'occuper des enfants, puisqu'il peut être partiellement pris en charge par un substitut marchand, femme de ménage, cuisinier ou nounou. Lorsque les femmes dans leur foyer accomplissent ces tâches gratuitement, elles contribuent à réaliser des économies au sein du foyer, néanmoins elles ne sont pas rémunérées pour ça alors que c'est un travail à part entière. En numéro 2, on a ce qu'on appelle donc le travail du corps, un concept prépondérant dans le travail du mannequinat et de l'influence. Il repose sur l'idée que les femmes au physique agréable ont davantage de chances d'accéder à des opportunités, être mise en avant et d'être écoutée. Donc, de nombreuses femmes particulièrement populaires sur la plateforme YouTube investissent énormément de temps et d'efforts pour correspondre à des normes genrées. Le travail du corps inclut les gestes ordinaires tels que la coiffure et le maquillage, ainsi que les interventions plus exceptionnelles comme la chirurgie ou la médecine esthétique. Et le travail du corps est quasi omniprésent dans le monde de l'influence lifestyle, peu importe le genre. En numéro 3, on a ce qu'on appelle donc le travail entrepreneurial, qui englobe l'ensemble des activités réalisées par l'influenceuse pour son entreprise et qui est souvent dissimulée aux yeux du public. Par exemple, vous me voyez très rarement en train de faire du montage ou en train de faire mes factures et ainsi de suite. Merci Léna Situation qui est une pionnière dans ce domaine et qui s'est fait connaître grâce à tout ça. Il est essentiel de reconnaître que ce travail est invisible, car si l'on n'est pas influenceur ou influenceuse, nous ne percevons pas l'ensemble des tâches qu'il y a en amont dans la création d'entreprise, bien que cette réalité concerne la majorité des personnes qui font de l'entrepreneuriat. Le travail du corps et le travail domestique sont effectivement accomplis au quotidien par une majorité de femmes hors réseaux sociaux, c'est-à-dire prendre soin du foyer, consacrer du temps à se maquiller, s'habiller avant d'aller au travail, et tout ce qui concerne le travail du care. Toutefois,
Toutefois, il est crucial de noter que ces efforts demeurent largement invisibles dans le monde du salariat. Vous ne serez pas payé plus cher si vous êtes maquillé, épilé ou bien habillé. Par contre, il y a de fortes chances qu'en tant que femme, on vous fasse des réflexions ou on vous emmerde si ce n'est pas le cas. Ce qui distingue donc les influenceuses, c'est cette capacité à rendre ce travail visible et à en obtenir une rémunération, soit par le biais des plateformes qui rétribuent leur contenu, soit via des placements de produits. Le format blog se révèle être un outil ingénieux car il permet à l'influenceuse d'intégrer de nombreux placements de produits sans que cela soit trop intrusif, allant de maquillage à produits de beauté à des aspirateurs et des produits du quotidien. Je suis surexcitée, mais il y a un laser en fait à l'intérieur pour le voir. Et alors ça, c'est une brosse que je n'ai pas du tout, je ne l'ai jamais eue. Je pense qu'elle est pour les canapés, les trucs comme ça, si c'est le cas. De mon côté, dans le cadre de mon Master 1, je travaille donc sur ce sujet et j'ai donc analysé un petit échantillon de vlogs, notamment ceux d'Enjoy Phoenix, de Sandrea, de Cindy DSLV, ainsi que de deux autres influenceuses que j'ai eues en entretien et dont je vais préserver l'anonymat, que j'ai nommé donc Colline et Salomé. Suite à ça, j'ai pris mon mal en patience et j'ai effectué de nombreuses statistiques où j'ai consigné et mis en évidence le travail domestique, le travail du corps et le travail entrepreneurial mis en avant dans les différents vlogs. J'ai aussi rajouté une catégorie autre pour englober les activités plaisir, les activités non genrées et toutes les activités qui ne correspondent pas aux autres catégories puisque tout le travail qu'on fait à la maison n'est pas forcément non plus un travail domestique ou un travail du corps et ainsi de suite. Première chose intéressante, c'est qu'on peut voir que globalement plus de 50% du contenu d'un vlog parvient à mettre en lumière le travail invisible des femmes salariées. Concernant Enjoy Phoenix, il convient de noter que dans 42% de ses vlogs, nous la voyons opérer des transformation sur son corps afin de se conformer au canon de beauté féminin et que 30% de son contenu est consacré à des activités entrepreneuriales. Les placements de produits représentent que 8% de ses contenus vlog. Et les 42% ne sont pas si étonnants puisque la majorité des choses qu'elle met en avant ce sont ses deux entreprises, Honest Smile et Live and Clouds, qui sont des entreprises de beauté et de mode. Quant à Cindy, elle consacre 45% de son contenu au travail domestique, notamment aux tâches ménagères, une dimension particulièrement présente dans sa vie. Contrairement à Enjoy Phoenix, plus elle s'occupe de sa fille à plein temps. Et 34% de ses vlogs sont dédiés au travail de son image, à savoir que 21% de ses vlogs impliquent un placement de produit. Évidemment, c'est fait pour le moment sur un tout petit échantillonnage et sur l'analyse de seulement 15 vidéos, donc c'est aussi à prendre avec des pincettes. J'ai également réalisé une analyse sur les 50 dernières vidéos de Gaëlle Garcia Diaz, Stormette et Le Monde de Salomé, qui n'est pas la même Salomé que la personne enquêtée. Donc ce qui fait en soi plus de 150 vidéos, j'ai regardé les titres et les miniatures et j'ai pu les classer en fonction de leur contenu, et on constate que la majorité des thèmes tournent autour du travail de l'apparence ou du travail domestique. Cette réalité, bien que géniale sous certains aspects, elle constitue déjà un sujet complexe lié à la complexité de l'analyse, puisqu'il y a quand même un flou des frontières entre la vie privée, la vie publique, ce qu'on fait réellement pour soi ou ce qu'on fait pour les vidéos, ainsi que la question à l'assignation du travail domestique ou du travail esthétique, analysée à travers le prisme capitaliste, interroge le potentiel d'émancipation ou d'aliénation des femmes sur les réseaux sociaux. En revenant sur l'analyse des thèmes prédominants dans le vlog, faire le ménage, ranger, trier, se maquiller, faire les repas, et ainsi de suite, semble en fin de compte évoquer le travail traditionnellement associé aux femmes au foyer. Par conséquent, malgré leur émancipation financière, ces femmes continuent à être assignées aux mêmes tâches et au même travail genré, tout en continuant de promouvoir un idéal de domesticité bourgeoise, qui implique donc d'être belle, d'être jeune, d'être mince, avoir de la moula, sans pour autant non plus s'échapper du rôle de mère. Elles contribuent à idéaliser et valoriser l'idée d'une conciliation parfaite entre les différentes sphères de leur vie. Prenons le cas de My Better Self, dans son livre Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux, revendique fortement déconstruire les normes du genre, en arguant que le genre féminin est loin d'être libre. Elle affirme s'être affranchie de ses chaînes genrées. Toutefois, quelques pages plus tôt, elle se présente comme ceci, liant à la fois performance de genre et de classe, c'est-à-dire correspondant à ce qu'on attend d'une femme, tout en portant une tenue fortement chargée symboliquement. Ainsi, ces femmes, bien qu'elles prônent l'autonomisation et l'émancipation à travers des discours empouvoirants, se retrouvent finalement accablées par un surcroît de travail, de contraintes, et donc davantage exposées au risque de faire de l'anxiété généralisée ou des burn-out. Elles doivent constamment jouer entre le rôle de la patronne chef d'entreprise et de la femme au foyer. Cependant, il est évidemment crucial de noter que cette double casquette ne revêt pas la même importance en fonction de la classe et de l'ethnicité de la personne. Mais ça, on l'explorera dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, il en convient aussi de reconnaître que de
nombreuses femmes présentes sur la plateforme ne mettent pas en avant les aspects précédemment cités, en particularité la majorité des vulgarisatrices scientifiques. Cependant, il existe aussi des femmes qui, à travers leurs vlogs, parviennent à s'émanciper du rôle de la femme au foyer. L'exemple le plus marquant dans le cadre de mes recherches est celui de Sandrea, qui a transitionné de cette youtubeuse beauté à des formats vlog sortant un petit peu des sentiers battus. Dans cette évolution, elle réussit à réduire considérablement la visibilité du travail domestique et du travail sur son apparence. En effet, dans près de 70% de ses vlogs, Sandrea se livre à des activités annexes, telles que des promenades en forêt, des sorties avec ses amis, et aborde des sujets totalement différents. Par conséquent, il est évident qu'à travers les vlogs, il est possible de montrer autre chose. Le peu de travail domestique dont il est question dans ses vlogs, c'est celui de la décoration de sa maison, puisqu'il peut être fait par une tierce personne, ainsi que la prise en charge de sa fille et la préparation des repas. Et on ne la voit jamais en train de travailler pour ses réseaux sociaux, ou dans de très rares cas. Du coup, à l'inverse du modèle de la girl boss, Sandrea se détache complètement et innove dans le domaine. Ce n'est pas la seule évidemment à prendre le contre-pied du vlog en mettant en avant une slow life, un sujet qu'on abordera qu'en fin 2024, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. En conclusion, ces femmes présentent à leur communauté un modèle de vie axé sur l'idée de la femme jeune, belle, riche et indépendante. En tant qu'influenceuse, elles partagent des bons plans, des astuces et encouragent la consommation de produits permettant d'atteindre leur vie. Ils semblent empouvoirants, mais qui en réalité contribuent à renforcer la domestication des femmes à travers un prisme de genre, classe et race. Ainsi, à l'inverse du chef d'entreprise, le terme de girl boss résonne à un tantinet faux. Elles ne sont pas légales de l'homme, puisqu'elles continue de prendre en charge la majorité du travail domestique tout en devant correspondre à des normes genrées. À mon sens, le terme de digital housewife semble plus approprié, puisque ce terme met en évidence les similitudes entre le travail numérique et le travail domestique traditionnel, en soulignant la complexité de l'économie numérique pour ces femmes. Naturellement, il est aussi injuste de blâmer ces femmes, puisqu'elles essayent de s'en sortir au mieux dans une société capitaliste. Cependant, il est quand même essentiel de conserver un esprit critique quand on consomme ce genre de contenu, et non le travail n'est pas la santé, et il est nécessaire de réfléchir de manière nuancée à l'impact des modèles de vie proposés dans ces divers contenus. En espérant que cet épisode numéro 2 t'aura plu, je remercie fortement NordVPN, et si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, souvent sur les liens placement de produits, etc. N'hésitez pas, pour soutenir les créateurs, à aller cliquer pour aller regarder, même si ça vous engage à rien. Si jamais tu souhaites me soutenir autrement financièrement, tu le peux via mon Patreon, où je publie du contenu exclusif accessible nulle part ailleurs. À me soutenir aussi sur mon Instagram et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Oui, ça fait beaucoup, mais quand on aime, on ne compte pas. Sur ce, câlin consenti et bon week-end.